Ok, donc là, ça va être une lecture de tarot pour les Verseaux, pour la semaine du 26 février au 6 mars, juste avant la pleine lune qui sera dans le signe de la Vierge. On va essayer de capter l'énergie qui vous entoure et les choses qui risquent de vous tomber dessus, positives ou négatives. Alors, ce n'est pas une lecture axée sur l'amour ou le travail ou autre, c'est une lecture libre générale. On va voir de quoi il en retourne. Et bien sûr, si les cartes parlent d'amour ou de travail ou autre, on ira avec les cartes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont sous le signe du Verseau pour cette semaine? Ok, alors l'énergie du dessous, c'est le 5 de denier. Ce n'est pas une carte très positive, mais on va voir de quoi il en retourne. Hein. Le 5, c'est aussi un chiffre qui parle de transition et de changement. Donc, on va voir ce qu'il en est. Okay? L'énergie du dessous, c'est une énergie qui est cachée, quelque chose qu'on ne voit pas encore venir ou qui n'est pas encore arrivé ou qui est sur le point d'arriver, je pense. L'énergie qu'on ne voit pas. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour cette semaine? Quelle est l'énergie des Verseaux pour cette semaine? Ok, encore un 5. Ok, on a le 5 d'épée. Le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est pas forcément, ça parle pas forcément d'un homme, ça parle d'une énergie. On peut tous avoir l'énergie masculine ou féminine qui est en nous. Donc ne vous laissez pas avoir si vous êtes une fille qui regardait la vidéo, c'est pas, il ne s'agit pas forcément d'un homme. On va voir, on verra bien. Prends-moi encore de l'énergie pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ok. Et l'étoile. Donc l'étoile, ça parle d'un souhait. Et c'est la carte qui vous correspond en fait. L'étoile, c'est la carte du Verseau. C'est la seule arcane majeure qu'on a pour le moment. D'accord? Donc ça peut parler d'un souhait ou ça peut parler aussi d'une perte. Donc le 5 d'épée. Le 5, c'est une transition, c'est la défaite. On ne sait pas si c'est la défaite qui sera pour vous ou pour quelqu'un d'autre, mais en gros, ça parle de quelque chose ça parle d'une défaite. Le roi des bâtons, c'est une énergie de feu. En général, Sagittaire, pardon, Bélier, Sagittaire, une énergie masculine qui fonce, qui ne se laisse pas désobéir. Ok? Pas forcément qui fonce comme le valet, mais quelqu'un qui sait où une personne qui sait où elle va et qui ne se laisse pas avoir ou désobéir. C'est quelqu'un à qui on obéit, c'est quelqu'un qui est établi et qui va vers ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, sans aucune excuse. Et donc voilà, l'arcane majeure, la seule arcane majeure que vous avez, pardon, c'est votre carte, l'étoile, qui parle soit d'un souhait qui va être exaucé, soit d'une perte. Mais en tout cas, une arcane majeure, c'est quelque chose qui est fait pour durer. C'est pas quelque chose qui est, c'est pas quelque chose comme une arcane mineure qui est susceptible de changer. Okay? Donc on va clarifier tout ça et voir de quoi il s'agit. Alors, que signifie le 5 d'épée? Oh, il y a des cartes qui étaient retournées. Que signifie le 5 d'épée pour les Verseaux cette semaine? Que signifie le 5 d'épée pour les Verseaux? J'ai toujours du mal avec ces cartes parce qu'elles sont super épaisses, donc c'est pas aussi facile. Mais on y arrive. Et vu que j'ai pas de grande main, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Ok.
Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Que signifie le 5 d'épée pour les Verseaux? Que signifie... Oh, entre autres cartes. On va prendre la première quand même. Hein. Le 7 d'épée. Ok. Pour l'instant, on est vraiment dans votre énergie, hein, les énergies aériennes. Les épées, ce sont les énergies d'air. Donc, on a, pour clarifier le 5 d'épée, on a le 7 d'épée. Ok, dis-moi en plus, que signifie le 5 d'épée pour les Verseaux? On a une qui s'est retournée, ok. Le King of Wands encore. Donc, je crois savoir ce qui se passe. Ok. King of Wands, 9 de bâton et 6 de bâton. D'accord. Alors, ça peut vouloir parler d'une défaite, de quelqu'un qui a fait quelque chose de sournois et quelqu'un qui est sûrement sous le signe de Sagittaire, signe de feu, qui fait en sorte que vous êtes sur vos gardes. Par contre, que signifie la victoire? Donc, parce que le 6 de bâton signifie une victoire. Une victoire après la défaite. Après les difficultés. Que signifie le Six of Wands? Le Six of Wands pour les Verseaux. Que signifie le Six of Wands pour les Verseaux? King of Cups. Émotion. Ok, donc, apparemment, j'ai l'impression que la défaite est la vôtre. Laissez-moi bien regarder les cartes pour voir dans l'ordre. Ok. Défaite. Sournoiserie. Je fonce. Je suis sur mes gardes. Si ça part d'une relation, puisqu'on n'a pas beaucoup d'éléments de coupe, à part la dernière carte qui a clarifié le Six of Wands. Le Six of Wands, ça parle d'une victoire. Et le King of Cups parle de quelqu'un qui est en général d'un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui en général a quelqu'un qui est stable en fait. On a rarement envie d'avoir le King of Cups à l'envers parce que le King of Cups à l'envers c'est simplement l'enfer. Quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de totalement mauvais, on n'a pas du tout envie d'avoir ça. Donc quand on a le King of Cups, c'est plutôt une bonne chose. Après, j'ai l'impression que le King of Cups c'est lui qui, la personne, en fait, si vous gérez, vous êtes avec une personne ou vous êtes en relation avec une personne qui est du signe. D'eau, la victoire est la sienne. Mais vous, vous êtes sur vos gardes par rapport à cette personne. À mon avis, j'ai l'impression que vous avez vécu une défaite par rapport à quelque chose de sournois que le roi des coupes aurait fait, qui fait que vous êtes sur vos gardes et vous êtes un peu sur la défensive. Je vais demander, que signifie le 7 d'épée? La sournoiserie, on va voir ce que c'est. Que signifie le 7 d'épée pour les Verseaux? Que signifie le 7 d'épée pour les Verseaux? Que signifie le roi des pentacles? Oula! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le roi des pentacles, c'est quelqu'un d'établi. Donc on a eu le roi des coupes tout à l'heure et on a eu le roi des pentacles. Peut-être que ça part d'une personne qui financièrement qui est du signe du d'eau, qui est sous le signe d'eau, mais qui financièrement a fait quelque chose qui vous a fait avoir une défaite. Le roi des coupes a eu une victoire, mais vous avez une défaite financière. Donc si ça parle pas d'émotion, ça parle d'une personne qui vous a un peu, on va dire, entubé. Et vous n'appréciez pas. Vous avez vu comment son point est fermé et comment vous êtes sur la défensive. C'est pas quelque chose que vous avez apprécié. Vous n'avez pas apprécié. Donc on va voir la suite. On va essayer de demander ce qui se passe. Clarifie. Est-ce que je vous ai perdu ou pas? Non, c'est bon. Clarifie le King of Wands pour le Verseau. King of Wands. Ok. Three of Cups. Une célébration. Clarifie le King of Wands pour les Verseaux.
ça va un peu dans tous les sens. On a toutes les énergies. King of Wands. Ok. Clarifie le King of Wands pour les Verseaux. Eight of Pentacles. Ok, d'accord. Donc, à mon avis, c'est une personne avec laquelle vous avez eu des victoires. Une personne avec laquelle vous étiez... Alors, le Three of Cups, c'est la victoire, la célébration. Ça peut parler de la famille aussi. Le Four of Wands parle d'une personne qui... de deux personnes qui sont presque arrivées à la destination. Des personnes heureuses, en couple ou non, qui ont presque réussi à atteindre l'arrivée de la joie, la paix, la sérénité, la positivité. Mais après, on a le Eight of Pentacles, donc le travail, et le Eight of Cups. Donc, on passe d'une énergie de joie avec un king, avec un roi de bâton. Donc, ce n'est pas forcément dire que la personne qui représente le roi de bâton, c'est forcément un signe de feu. Mais en général, c'est un signe de feu. Ça peut être une personne qui a cette énergie-là dans sa charte natale. Ça peut être une personne qui a l'énergie du roi des bâtons, mais qui peut être un autre signe. C'est juste une personne qui a cette énergie de « je fonce et rien ne va m'arrêter ». Et à mon avis, vous avez dû faire confiance à une personne qui était déterminée à obtenir ce qu'elle voulait. Fille ou garçon, mais pour vous, ça a été un échec. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est une personne avec laquelle vous avez eu des victoires, vous avez fêté des choses, vous étiez peut-être heureux, ou en tout cas de votre point de vue, tout allait bien, vous étiez heureux, vous pensiez heureux ou heureuse, et vous pensiez que tout allait bien. Et ensuite, on a l'énergie de « ok, je travaille et j'abandonne émotionnellement ». Donc, il s'est passé quelque chose qui fait que cette personne-là et vous, il y a une rupture à un moment. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que maintenant, on a vu tout à l'heure que vous étiez sur la défensive, maintenant, vous êtes concentré sur votre travail et émotionnellement, vous abandonnez tout ce que vous avez investi émotionnellement. Vous avez quand même, en fait, sur les 10 coupes, vous avez quand même investi 8 coupes. Et du coup, vous abandonnez tout ce que vous avez investi pour autre chose et vous êtes concentré sur le travail. Donc, on va voir, on va clarifier l'étoile. Que signifie l'étoile pour les Verseaux? Excusez-moi. Que signifie l'étoile pour les Verseaux? Ok, on a 3 cartes. Ok, d'accord, donc c'est bien ça. Alors, c'est soit une rupture, soit ça parle de travail, parce qu'on a Everything is fine, mais ça, c'est une carte en plus qu'il y a dans un jeu de tarot qui représente normalement le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quand on a eu toutes les épées dans le dos et que maintenant, en fait, c'est la fin de quelque chose de difficile. Sauf que dans cette carte, c'est pas marqué le 10 d'épée, c'est marqué Everything is fine, tout va bien. Donc, c'est soit vous faites comme si tout allait bien, mais en fait, vous ressentez la douleur, soit vous êtes protégé. Après, on a le Hiérophant, le 4 de coupe et le 5 de pentacle. Le Hiérophant, ça correspond à une entreprise ou une société, mais ça peut correspondre aussi à tout ce qui est conventionnel, ça peut correspondre aussi à tout ce qui est Dieu. Le 4 of cups, c'est quelqu'un qui en a juste marre, qui est en mode « oh, pff, ouais, ça m'intéresse pas, nanana ». Et le 5 of pentacles, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être abandonné, quelqu'un qui a l'impression que rien ne fonctionne, c'est l'échec. C'est encore un 5 en fait, c'est une transition, quelque chose qui change. Donc j'ai l'impression qu'il y a sûrement quelqu'un qui vous a blessé. On va clarifier le Everything is fine pour voir si c'est une illusion ou si vous êtes vraiment dans l'énergie de protection. Ok, j'ai vu une carte. Ok. Non, ouais non, ok d'accord. On a eu le Page of Pentacles, un début, un message, et en général, ça parle de finances. Donc, il y a quelque chose qui vous a blessé. Si ce sont des finances, soit c'est quelqu'un du signe de terre, mais je ne pense pas que c'est quelque chose vraiment... Attends, on a le strength. Équilibre. Ok, d'accord. Ok. Il y a une personne qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a trahi, et ça s'est mal passé. Vous avez eu la protection, on va dire, de Dieu, de l'univers, quelque chose qui a fait que c'était sûrement censé arriver, ça vous a blessé, mais c'était pour votre bien. Et maintenant, si cette personne revient vous voir, c'est une personne du signe d'eau, si cette personne revient vous voir, vous n'êtes pas intéressé, parce que vous vous sentez abandonné. Vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine transition de ce que cette personne vous a fait, ok? Et ça clarifie votre carte, la carte... de l'étoile, ça vous correspond. Donc on a vraiment un sentiment de perte, de douleur, de quelque chose qui s'est mal passé. C'est pas génial. Alors, quelle est l'énergie?
Je vais peut-être prendre un autre jeu de tarot pour vous, parce que j'ai l'impression que on a besoin de plus d'informations à l'instant. Oh oh. Ok, on va prendre le jeu de tarot psychique pour essayer d'avoir un peu plus de détails quand même, parce que c'est assez spécial ce qui se passe. Et en général, quand c'est spécial comme ça, quand j'ai affaire à des lectures comme ça qui sont un peu compliquées comme ça, c'est toujours, ça a toujours un rapport avec les personnes du signe d'eau, puisqu'on sait que les personnes comme scorpion, poisson et cancer, surtout cancer et scorpion, sont des personnes qui sont très manipulatrices, très... On n'a pas l'impression qu'elles font ce qu'elles font, mais elles savent très bien ce qu'elles font. Ce sont des personnes qui savent très bien jouer avec les émotions, avec le cerveau, le psyché des gens. Donc du coup, c'est des fois difficile de comprendre ce qui se passe. La personne qui est victime de ce qui se passe le comprend très bien, enfin au bout d'un certain moment, parce qu'au début, on n'a pas forcément l'impression de le comprendre. Mais le truc, c'est que si quelqu'un s'est fait manipuler par un signe d'eau, ça sera difficile pour la personne d'exprimer ce qui s'est passé, parce que le signe d'eau ou la personne qui est du signe d'eau manipule très bien, tellement bien qu'on n'a pas l'impression que c'est de la manipulation. On a juste l'impression que non, tout va bien, mais au fond de vous, c'est la victime qui sait ce qui s'est passé. Donc on va demander, quel est ta psychique des Verseaux à l'heure actuelle ? Ok, on a Memories of Love. Donc c'est vraiment, à mon avis, quelque chose au niveau des émotions, ok ? C'est dur, ok ? On va voir. Quel est l'état d'esprit des Verseaux à l'heure actuelle ? L'état d'esprit des personnes sous le signe du Verseau. Oups, on a eu une carte. Espoir. C'est encore, alors Hope, dans ce jeu de cartes, c'est encore votre carte. C'est encore l'étoile. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment vraiment votre lecture. Vous espérez quelque chose. Alors attends. Clarify Hope concernant les Verseaux. Que signifie ? Dis-moi plus concernant l'état d'esprit des Verseaux. Dis-moi plus. Oups, ok. Alors là, il y en a trop. On va prendre ces deux-là. Ok, on a obstacle et challenge et défi et décision choix. Donc apparemment, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez dû faire face à des obstacles ou des difficultés. Et vous avez dû faire un choix par rapport à tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a bloqué, vous a manipulé, qui a obtenu quelque chose. Une personne avec laquelle tout se passait bien, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce que cette personne ait obtenu ce qu'elle souhaitait. Et quand cette personne a obtenu ce qu'elle souhaitait, elle vous a peut-être abandonné ou lâché comme une vieille chaussette, comme on dit. Et du coup, vous avez dû faire face à des obstacles ou des défis et faire un choix qui ne vous a pas forcément plu. D'accord ? C'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un conseil. Alors, désolé de ce qui se passe. En tout cas, si c'est l'énergie qui vous correspond, si c'est l'énergie qui vous correspond par rapport à cette semaine, j'en suis vraiment désolée. Mais bon, dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on a des choses comme ça, ce sont des leçons de vie. Okay, ça nous apprend à être beaucoup plus méfiants plus tard et à ne pas faire confiance ou à faire attention, en fait. Tout échec ou tout défi sont des leçons de vie. Quel conseil on a pour les Verseaux pour cette semaine? Non, on va pas la prendre. Si elle doit sortir, elle sortira. Parce qu'elle a plutôt glissé, elle n'est pas sortie, elle a plutôt glissé de mes mains parce que j'ai des petites mains et les cartes sont un peu énormes, on va dire. Regardez quand même la différence entre le jeu de cartes normal et le jeu de cartes. Il y a une différence quand même, donc c'est pour ça. Ok, quel conseil on a pour les Verseaux ? Ok, protégé par les anges. Vous êtes chéri par les anges. Et voyez les choses. Voyez les choses de façon plus grande. Get the big picture. Donc vous avez sûrement une leçon à intégrer en fait. Alors par rapport à ce qui s'est passé, vous êtes protégé par vos anges. Et à mon avis, ça, c'est une leçon. C'est-à-dire, ne vous concentrez pas sur ce qui vous est arrivé, mais concentrez-vous sur la leçon. La chose qui vous est arrivée, c'était là pour vous apprendre une leçon. C'est douloureux, c'est pas agréable, mais apparemment, voilà, on a eu l'arcane majeur qui est la vôtre deux fois. Donc, c'est quelque chose qui était destiné. Donc, voyez la chose différemment. Ne vous concentrez pas seulement sur la douleur, même si, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire.
intégrer la douleur ou l'échec. Et quand vous serez prêt ou prête à passer à autre chose, essayez de prendre la leçon qui vient de cet échec ou de cette trahison que vous avez eue par rapport à cette personne, ok ? Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous prendre une carte de l'ombre. Alors, les cartes de l'ombre, c'est pour le shadow work. C'est pour le travail de l'ombre. Les choses que l'on ne voit pas, les choses qui sont dans notre inconscient, les choses qu'on a du mal à accepter. Ce sont des cartes qui nous aident à avancer dans la vie et à voir les choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas, les choses qui sont internes, les choses qui sont cachées. C'est le travail de l'ombre. Et en général, ce n'est pas très facile parce qu'on est souvent dans le déni. On ne veut pas voir les choses en face ou on n'a pas envie. Ou simplement, des fois, on ne les voit pas. En fait. Des fois, on est simplement aveuglé. Si vous avez été manipulé par quelqu'un, c'est des fois plus difficile encore de voir ce qui se passe dans l'ombre parce que vous êtes dans l'ombre. Donc, vous voyez même pas... Vous ne voyez même pas que vous êtes dans l'ombre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme travail de l'ombre pour les Verseaux ? Je suis vraiment désolée pour vous. En tout cas, si c'est votre énergie. Qu'est-ce qu'on a comme travail de l'ombre pour les Verseaux pour cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a comme travail de l'ombre ? Oups, non, il y a trop de cartes pour les Verseaux pour cette semaine. Quel travail de l'ombre on a pour les Verseaux ? Celle-ci. Non. Non. Quel travail de l'ombre on a pour les Verseaux cette semaine? Ok. On a hiding your true self. Vous cachez votre vrai moi. Et on a deux autres cartes. Trois autres. Ouais, on a trop. Quoique, on va les prendre quand même. Alone in the world, the temple of my body et gilded regret. Guided. Alors, on a... Alors, ça, c'est quel chiffre ? 14. Cacher le vrai moi. Cette carte correspond à la phase lunaire du troisième quartier. L'étape correspond à l'acceptation. Se cacher, c'est garder les choses au-dedans de soi. La confiance dans le destin devient un manque d'espoir. Il doit donc y avoir une limite. Et la phrase qui correspond à cette carte, vous pourriez être devant le miroir, vous pourriez vous cacher derrière le miroir, mais vous avez choisi d'être le miroir. D'accord. Peu importe ce qui s'est passé, essayez de ne pas trop le garder, de ne pas trop l'intérioriser, d'accord ? De ne pas vous cacher dans ce genre de phrase où on dit c'était destiné et c'est pas grave en fait. Parce que des fois on dit oui c'était le destin, etc. Mais ça nous aide pas forcément à accepter ce qui s'est passé. Il faut intégrer ce qui s'est passé pour pouvoir en tirer une leçon, ok ? Vous pourriez être devant le miroir, vous pourriez être vous cacher derrière le miroir, mais vous avez choisi d'être le miroir, ok ? C'est une bonne phrase. À réfléchir, ok. Ensuite, on a 6, Alone in the World, seul au monde. Alors, la phase lunaire qui correspond à cette carte, c'est le troisième quartier. Encore, on a eu le troisième quartier aussi tout à l'heure. C'était bien ça? Ouais, encore le troisième quartier. Si vous pouvez chercher sur internet à quoi signifie le troisième quartier de lune, peut-être que ça va vous aider à comprendre ce qui se passe. Ou peut-être que le troisième quartier de lune qui va arriver ou qui est déjà arrivé correspond à une période précise de quelque chose qui s'est passé précisément à ce moment-là. Alors, Alone in the World. Seul au monde, la phase lunaire, donc le troisième quartier, étape l'acceptation. Dans la solitude, je résiste, dans la solitude, je peux briller. La phrase qui correspond à cette carte, j'ai fait de ma maison un cloître, de mon cœur un calice pour la brise la plus douce et je résiste encore tout seul. Donc voilà, vous apprenez à accepter ce qui s'est passé. En gros, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Ensuite, on a le 2. Qui est le temple, ok,
le temple de mon corps, le premier quartier, correspond, ça correspond à la première, au premier quartier de la phase lunaire. L'étape, la dépression. Je sens que je ne vaux pas assez. La phrase qui correspond à cette carte, mon corps est le temple de mon âme, il n'a aucun secret pour moi. Okay? En général, je pense que la phrase, c'est la chose qui va vous aider à accepter ce qui s'est passé ou à travailler sur votre ombre. Mais l'état dans lequel vous êtes, c'est que vous avez l'impression de ne pas valoir assez. Pareil pour la carte qu'on a eue tout à l'heure, la 6. C'est bien ça, oui. Vous avez l'impression d'être dans la solitude et que vous résistez et que vous pourrez briller dans la solitude, mais ce sur quoi il faut travailler, c'est le temple de votre corps, n'est-ce pas? Ne pas vous laisser aller. Ne pas croire que vous n'avez pas de valeur parce qu'une personne vous a fait du tort ou parce qu'une personne vous a utilisé. Ouais, on a l'impression que dans cette lecture, vous avez été utilisé par quelqu'un qui a obtenu ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait et qui vous a laissé tomber comme une vieille chaussette. Ça en dit long sur cette personne, pas sur vous, d'accord? Ça en dit long sur vous dans le sens où maintenant, il va falloir que vous appreniez à avoir plus confiance en vous et à peut-être vous valoriser un peu plus. Mais ça en dit long sur la personne qui a sûrement vu votre potentiel, qui a sûrement vu qu'il ou elle pouvait l'utiliser et qu'il l'a utilisé sans aucun regret. Malheureusement, on a des personnes comme ça dans le monde qui sont vraiment des crapules, quoi. Ensuite, on a la carte numéro 5. Ok, c'est regret en or. Attendez. Regret d'or, ok. La phase lunaire décroissante. Ok, l'étape est la négociation. J'ai l'impression de vivre dans le passé. S'il vous plaît, donnez-moi encore 5 minutes pour réfléchir. La phrase qui correspond à cette carte, qui va vous aider, c'est « Les souvenirs, c'est comme flotter sous l'eau, en sécurité, au chaud, dans l'obscurité. Mais ils gardent l'odeur de la mort. » Ok, donc les souvenirs, c'est bien de les garder. C'est bien de s'en rappeler, mais c'est pas bien de vivre dedans. Donc, peu importe ce qui s'est passé, toutes les cartes vous encouragent à prendre la leçon, à l'étudier et à travailler dessus pour vous et à faire table rase du passé, même si apparemment ça a l'air d'être quelque chose de très récent, donc on ne va pas vous bousculer. Le mieux, c'est toujours de prendre le temps d'accepter les choses avant de pouvoir passer à autre chose. Donc je suis désolée que cette lecture ne soit pas aussi positive que je le souhaiterais, mais au moins vous savez à quoi vous attendre. Si ça s'est pas encore passé ou si vous êtes dans cette énergie, vous avez quelques petits conseils pour vous aider à vous en sortir, ok les Verseaux. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Vous avez la possibilité d'aller sur le site internet du Jardin Céleste de Nyx, dont le lien sera mis ici, juste ici. Vous pourrez avoir des produits spirituels comme ces deux lotions magiques qui sont puits de déblocage et des ensorcellements. Ce sont des lotions qui sont à utiliser en remplacement de fumigation. Si vous avez des personnes qui sont asthmatiques ou des personnes qui ne supportent pas la fumée ou simplement parce que vous n'avez pas envie de mettre des bâtons d'encens ou de la sauge ou de la fumée à une certaine période, vous pouvez utiliser l'une de ces deux lotions en contrepartie. La lotion de déblocage, c'est pour toutes les situations où vous êtes bloqué. Si vous êtes un artiste ou un créatif, c'est pour débloquer votre créativité. Si vous avez l'impression d'être en mode procrastination, ça peut vous aider à débloquer les énergies qui font que vous n'arrivez pas à avancer. Ou les autres situations. Et des ensorcellements, c'est quand vous avez l'impression que des énergies négatives sont envoyées vers vous. C'est un peu le remplacement de la sauge ou de l'encens, de sang de dragon, de camphre. C'est pour purifier, pour chasser les mauvaises énergies. Donc, ce sont des lotions magiques d'influence. Ce sont des lotions qu'on utilise avec parcimonie. Ça ne sert à rien d'en mettre à outrance. Une seule fois, une seule petite touche sur vos vêtements, dans votre chambre, dans votre appartement, dans votre voiture, c'est suffisant. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. En général, voilà, elles sont très concentrées. Elles sont composées de poudre d'or, de pierres d'œil de tigre pour le déblocage et de pierres de tourmaline pour les ensorcellements, de lotions magiques et d'huile essentielle pour le côté olfactif et aussi psychologique et spirituel. Donc n'hésitez pas à vous les procurer sur le site internet. Il y aura d'autres produits spirituels qui vont arriver dans pas longtemps sur lesquels je travaille. J'attends simplement que la lune arrive pour pouvoir les mettre à charger et leur donner un petit coup de boost, et aussi beaucoup d'autres produits. Vous allez voir que sur le site internet vous avez la partie le Jardin Céleste pour tout ce qui est spirituel, la partie TPRS Shop pour tout ce qui est vêtements streetwear qui sont toujours axés sur tout ce qui est spirituel et universel. En fait, c'est à peu près le même univers, c'est juste que vous avez la partie vêtements et la partie spirituelle. N'hésitez pas à visiter le site internet, à voir ce que vous pouvez y trouver, si ça vous fait plaisir, à me faire un petit retour sur ce que vous en avez pensé, si vous avez acheté des produits, et voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Il y a une boutique Etsy aussi, si vous souhaitez, si vous préférez aller sur Etsy.
En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je sais que ça va pas être facile, surtout qu'on a la pleine lune qui arrive dans le signe de la Vierge, qui demande de l'organisation. On réorganise tout. En plus, c'est la période qui va pas tarder à arriver, qui va être la période du printemps. Donc ça coïncide un peu avec le signe de la Vierge, tout ce qui est renouveau, organisation, vie saine, etc. Donc peut-être que cette pleine lune dans le signe de la Vierge va vous donner un petit coup de boost et vous aider pour la période de la pleine lune. Mais en tout cas, je vous dis peut-être à bientôt, puisque je vais sûrement faire une vidéo générale pour tous les signes, pour avoir un message de la pleine lune, pour savoir quelle énergie vous correspond et ce qui pourrait vous aider. En tout cas, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, bonne chance, bonne semaine, et ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Dites-vous que voilà, c'est une leçon à apprendre, et dites-vous que ça ne se reproduira plus, ok? Bon les Verseaux, salut, bonne semaine, et à plus! Bye!